au troc. Quoi? Tour au troc. C'est la fête du pays aujourd'hui. Tu devrais faire du tour au troc. Oh, c'est un anniversaire. Lequel, le tien? Oui. Alors, joyeux anniversaire. Merci. C'est amusant, il tombe juste le jour de la fête du pays. Il y a une commission pour mon père. Je m'appelle Franck Allette, ton père me connaît bien. Mes deux enfants ne vont pas tarder à te faire tour au troc. Je suis venu en éclaireur pour voir si de vilains gnomes ne rôdaient pas par là, genre vieux satyre qui propose des caramels aux petites filles. Va dire à ton père que je suis là. Et ferme la porte, toute la chaleur s'en va. Je t'ai déjà vu. Nous ne connaissons pas encore, n'est-ce pas? Vous arrivez d'Angleterre, je crois. Oui. Vous n'avez pas ce genre de fête là-bas? Non. Ah, ici, c'est presque carnaval. Tous les enfants se déguisent, ils portent des costumes, des masques. Ils vont frapper à toutes les portes et quand on ouvre, ils vous crient « Tour au troc !» pour avoir l'air terrorisé. Si on leur donne rien, ils ont le droit de vous jouer un sale tour. Personne n'est encore venu te faire le coup du tour au troc ce soir? Non. Eh ben, tu vas voir, il y a mes deux gosses qui vont arriver. L'un en squelette vert et l'autre en Frankenstein. Qu'est-ce qu'on donne en général? Oh, sucette, pop-corn, chewing-gum, toutes sortes de friandises. Une tranche de gâteau, ça ira? Mais c'est ton gâteau d'anniversaire. Il faut pas l'entamer pour eux. Bravo. Où est ta mère? Ma mère est morte. Ah, mais ton père est là. Il fume des cigarettes françaises. N'est-ce pas qu'il fume des françaises? Oui. Où il est, là-haut? Ton père est ton premier? Non, il travaille dans son bureau. Ah oui, c'est un poète. Ma mère m'a dit qu'il était poète. Et ce que dit ma mère ne peut être mis en doute. Sinon, où irait le monde? C'est ma mère qui a décidé de louer cette maison à toi et à ton père. Oh, formidable. Les gosses s'en foutent de joie.